24 heures des Gilets jaunes, c'est l'un des événements du jour. Ça commence dans une demi-heure maintenant, près du célèbre circuit auto des 24 heures du Mans. Une course en casse à savon et une mobilisation symbolique en ce week-end qui marque les trois mois du début du mouvement. Reportage sur place du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon. C'est le même environnement que celui de la plus grande course d'endurance auto au monde, mais ce ne sera pas tout à fait la même musique ni les mêmes slogans. Le top départ des 24 heures des Gilets jaunes de la Sarthe sera donné à 9h ce matin, le marathon revendicatif s'achevant dimanche à la même heure. Céline. C'est la symbolique des 24 heures. Ils se déplacent habituellement, que ce soit les motards, les voitures, les routiers, pour le, les 24 heures. Là, euh, il y a pas mal de Gilets jaunes qui manifestent d'habitude dans leur région, qui ont envie de se mobiliser et de venir nous rejoindre pour le côté mythique des 24. Donc euh, c'est vraiment un engouement national. Il y a même des Belges aussi qui ont décidé de venir. La course en jaune passera devant le palais de justice, l'hôtel de police, l'hôpital, la gare, autant de jalons symboliques, Valérie. Chacun doit venir avec une caisse à savon, quelque chose qui roule, qui sera décoré aux couleurs de gilets jaunes de son département. Et donc après on va organiser une course. Sur des endroits stratégiques avec des actions pour bah, porter un petit peu les revendications et le message auprès de la population. On devrait atteindre au moins les 5000 personnes. Fin de parcours évidemment sur le circuit des 24 heures avant la nuit des Gilets jaunes, un gros coup d'accélérateur pour tenter de remobiliser des troupes un peu démotivées après trois mois de combat. Le Mont François Coulon Europe.